Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la playroom, c'est l'épisode 2. Oula, j'ai fait une bêtise? Non, c'est bon, si? Si, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Apparemment, j'ai fait une bêtise. De Starbound, chers amis. En fait, il semblerait qu'en cliquant en dehors avec la... Putain, il est là. Non, non, il est juste au-dessus, en fait. C'est pas le bon truc. C'est pas le bon truc, toujours. Attendez, j'en ai un green boat, et là, j'ai un red overbike. Oui, je suis d'accord. Alors, attendez. Merde, raté. C'est bon, je l'ai eu. Ouh. Donc, du coup, bah, je l'ai envoyé de l'autre côté. Bon, bah, écoute, je vais le renvoyer maintenant par là. Hop. Non. Tu as essayé, tu as perdu. Voilà. Bon, bah nous revoici donc dans cette aventure, chers amis, avec quelques informations vis-à-vis du jeu à vous passer, hein, bien sûr. Comme d'habitude. Alors, nous sommes aussi sur notre planète de type Midnight. Je vais continuer à chercher un petit peu sur celle-ci, comme elles sont assez dangereuses et assez nouvelles. Je me dis que ça pourrait être sympa. Puis en plus, si on trouve toujours plus de griffes, c'est tant mieux. Donc, des nouvelles informations. En premier lieu... Ah non, pas toi. Il y en avait combien, en fait? C'est pas que vous me faites... Enfin, si, vous me faites chier, mais... Enfin... C'est comme ça, quoi. Dégage. Oh, putain, il a survécu. Hop, voilà. Le jeu, la 1.0, est plus ou moins préparé, plus ou moins terminé. Ils sont actuellement en train de jouer au jeu, en interne. C'est-à-dire que là, la moitié de l'équipe est en train de jouer à de toutes les manières possibles et imaginables, toutes leurs façons différentes de jouer au jeu, toutes les façons différentes de jouer au jeu. Pendant que l'autre équipe corrige en fait le jeu au fur et à mesure, hein, au fur et à mesure des bugs découverts. Et apparemment, ça va leur prendre plusieurs semaines. Moi, je peux pas jouer 8 heures par jour à Starbound, mais je sais que si je le faisais, ça irait assez vite, hein, de mon point de vue. Franchement, ce genre de stress test devait se passer en nightly, je pense. Mais bon, c'est comme ça à l'heure actuelle, hein. Malheureusement, je ne peux pas changer ça moi-même. Hop, oh non, des avianes. Hop. Hop. Voilà. Un petit peu de santé quand même, parfait. Non, dégage. Hop, merci. Salut les mecs, la forme. Vous vous taisez toujours autant, d'accord. Hop, non, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, te dis-je. Cela dit. Ah, un coffre, voilà, c'est ce que je cherchais justement. Des petites bombes, on va pouvoir les utiliser. Ça fait longtemps qu'on en a pas utilisé certaines. Ça peut toujours être sympa. Ah, on arrive donc dans la zone où il y a des ennemis potentiellement intéressants pour nous. Avec des coffres potentiellement intéressants pour nous aussi. Un petit peu de lumière serait peut-être pas mal. Remarque. Crac. Je vois un coffre dans le fond. Oh, une guitare. J'ai cru voir. Non. Apparemment, c'est dans ma tête. Et ça aussi, je l'avais, d'accord. On va donc récupérer une guitare. Raté. Je suis curieux de savoir si je peux le frapper, l'uppercute, ressauter, le frapper, l'uppercute, et ainsi de suite. Ça m'intéresse. Là, il y a du challenge. Là, il y a du challenge. Alors, trouvons un ennemi. Pour commencer, ce serait pas mal. Quelqu'un sur qui taper. Hop, lui peut-être? Non, raté. Hop. Ah. Voilà, t'es mauvais. Merde. Dommage, non, il repart pas en l'air. C'est véritablement dommage. Wow. Eh ben non. T'es nul, hein. Eh ben non,
C'était vraiment nul, hein. Hop les. C'est pas mal ces petits gants, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Il y a pas de chance qu'il y en aura un peu plus. Raté. Hop les. Avec un peu de bol, il y en aura un petit peu plus. Dans la prochaine, aïe, mise à jour. Mais j'aime beaucoup jusque là. Hop les, tu ne m'auras pas. Ah, j'en ai eu une. Génial. J'en ai eu une. L'avantage, ce serait de... enfin, le truc cool, ce serait de trouver un autre blueprint. Hop, voilà. Problème résolu. Et de réussir à faire un autre type de d'arme gant. Ce serait vraiment cool. Aïe, c'est moi qui me suis fait frapper ou c'est lui? Oula, ils sont nombreux par contre là. Aïe, je vais forcément m'en prendre un. Hop, voilà. Et là j'en ai trois, j'en ai pas eu une seule. C'est dégueulasse. Petit coup de heal. Alors. J'aimerais bien trouver vraiment un autre type d'arme à améliorer de cette manière. C'est toujours sympathique. C'est toujours plus que sympathique. Mais on n'en trouvera pas, j'ai l'impression. C'est génial. Allez comprendre. Non, enfin bon, c'est comme ça. Oh, on a déjà vu ça quelque part. À quelques mètres près, on a le même, deux fois le même biome. Enfin, deux fois la même chose du biome. C'est un peu dommage aussi. Ça sera bientôt, bientôt très différent avec la... La prochaine match, chers amis, tout simplement parce qu'il y aura... C'est le carillon qui fait les petits bruits. C'est génial. Tout simplement parce qu'il y aura plus de mini-biomes et surtout plus de diversité dans les biomes. C'est-à-dire qu'en fait, un biome ne sera pas... une planète ne sera pas contournée à un biome principal. Là, on aura plusieurs. Aïe. Ça marche aussi en l'air. Hop, d'accord, intéressant. Non, on va pas tenter le coup quand même. C'est trop mauvais. Oh, un monstre coloriage. T'as rien à faire là, t'as aucun rapport avec le monde actuel. Aïe. C'est chaud, ça brûle. Hop, on va partir là-dessus. Ça se passe plutôt bien. Non, tu ne m'auras pas. Aïe, lui il m'a eu. Et vous vous défendez même pas, vous autres là, les blacks? Ah bah non, il m'a eu. Ça ressemble un petit peu au début de la planète. Ça y ressemble même beaucoup. Est-ce que j'ai cassé des trucs là-haut? Oui. Donc on a fait le tour de cette planète déjà. Oh la gueule. C'était vraiment minuscule. Bon. Oh. Merci de bien vouloir repasser. Merci encore une fois. Hop, on va essayer de creuser un petit peu. On va pas creuser avec ça parce que sinon on va en prendre pour 30 ans. On va creuser avec ça. Hop, ça va un peu plus vite. Pas beaucoup, hein. Hop. Si on pouvait trouver un autre biome rapidement, ce serait cool. Oh la gueule. Oui, c'est vrai. Hop. Hop. Raté. Et hop les. Voilà, ça c'est fait. Il va nous falloir un petit peu de santé. Ça va nous faire du bien. Voilà. Oh, j'ai vu un gros coffre. C'était donc un méchant. Bon à savoir. Continuons à descendre, c'est pas grave. C'est pas comme s'il nous faisait bobo. Alors ici on a un mini... Oh. Il y a un truc au-dessus, non? C'est moi ou... Oui, il y a un truc.
D'accord, j'avais pas fait trop attention, mais c'est pas si mal fichu que ça. Une grosse quantité de minerais partout. Normal, on n'est pas sur n'importe quel type de planète. Oula. On récupère quand même un petit peu les diamants. Des fois qu'on veuille s'offrir des choses. Ok. Ah. Alors, Broadsword de Blinksmatch. D'accord. Fait combien de dégâts? 31,5, sachant que celle-ci fait... Oh. D'accord. Et celle-là, ça fait par contre 55. Ouais, d'accord. Ça fait bien plus de dégâts que le reste. Je m'en doute un petit peu. 5 donc. Alors. Oh. Ok. C'est pas bête. Ça permet de revenir assez rapidement. Oh. Question si je lâche le bouton. Non, il revient quand même. D'accord. Ok, non, on va éviter. Hop. Oh putain. Hop, voilà, tu me retrouveras jamais. Crac. Il continue à péter une durite, t'as raison. Alors, ici. Ah, oh, je cherche les blueprints, je prie à chaque fois que j'ouvre un truc. Aha. Je le savais! Non, il n'y a rien dedans. Dommage. Dommage, dommage. Là, il n'y a pas de coffre, apparemment, en tout cas. Eh ben, si. Qui n'a pas une cave secrète, chers amis, après tout? Honnêtement. Qui n'en a pas? Lequel entre vous n'a pas de cave secrète, de bas de cave, directement intégrée à sa maison? Moi, j'en ai 12. J'en ai 12. 12 bas de cave. Vous pouvez pas test. Là, il en faut une en cas de plein de choses en fait. Non mais je rigole, hein, je raconte des que j'ai pas de bas de cave. Hein. Par contre là, j'ai cru voir un coffre. J'ai vu un coffre. J'ai bel et bien vu un coffre. Un pauvre bouclier moisi. Oh, 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 oh. T'as cru que je jouerais avec ça. Même s'il y aura sûrement une fois où je le ferai. Tôt ou tard, parce que c'est mon style de jeu à la base. Même, faut pas exagérer non plus. Hop, allons le faire, une petite salle challenge, une challenge room. Et bah ça commence bien. Le verre, c'est pas du poison que je sache. Hop, les bon, bah on a atterri au bout. On a qu'à dire qu'on s'en est pas trop mal sorti. Après, oui, c'est vrai que je suis assez déçu. Alors, la touche F, là. Hop, les... Ça, c'est fait. Hop, les... Voilà. Le problème est résolu. Ça a été fait rapidement, en plus. Bon. C'est pas plus mal. Ok, c'était d'une espèce de roche friable. Pourquoi pas. Voilà, merci d'être passé. Oh, c'est bon, et d'ici là que t'arrives à m'envoyer jusque là, je vais être tranquille, moi. On va enlever les cordes, j'en ai pas besoin, j'ai récupéré plutôt le rubium, c'est plus pratique. Hop, merci d'être passé. Hop. Bon, là il y a du diamant en dessous mais je vais pas aller m'embêter à le récupérer. Là il y a rien. Là il y a rien de vraiment intéressant. C'est dommage. Oh un blob. Tiens tombe. Oula. Ça en fait un paquet de choses qui tombent. Hop bonjour. Oh bonjour. Ok, merci d'être passé.
Intéressant ça. Hop. Bonjour, c'est pour un donjon. Non, rien d'intéressant non plus. Apparemment non. Ah ah, attendez. J'ai rien vu qui puisse ressembler à un blueprint. De toute façon, je pense qu'il passerait pas en fait, on le verrait parce qu'il serait alité par le jeu compte tenu du fait que je suis plein aux as, littéralement. Oh, des diamants qui tombent partout. Ça, c'est pas la magie d'un jeu vidéo. Si on trouvait des diamants comme ça, il y aurait des chasseurs de diamants partout par contre. Ok, oui, t'inquiète pas, je vais te soigner. Arrête de te plaindre comme ça. Hop. Ici, on a une dague. J'ai toujours pas compris le principe des dagues dans ce jeu, elles ont rien. Elles sont vraiment nazes, je vois pas pourquoi ils les mettent. Oh, t'es là, toi. Oh, attends, j'ai vu un coffre. Oh, j'ai vu deux coffres. Hop, hop, hop. C'est quoi, ça? Grenade launcher. Oh, pardon. Aïe. Hop, merci d'être passé. Gros coffre. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Même pas. Un marteau avec Energy Wave, qui correspond au même que le mien en fait, sauf qu'il sera en bleu celui-là, vous allez voir. Merde, oui, je suis parti trop loin. Excuse-toi. On va me la récupérer. Comme ça, c'est fait. Voilà, c'est ça. Ça fait des stalactites, remarque, c'est plus joli. Pourquoi pas. Oh là. Un autre poste habité, pardon. Excuse-toi. Et quoi, lui aussi, il a une base secrète. Une cave secrète, il a une bas de cave, ça y est. Ah bah, j'ai tout récupéré, comme ça. Salut. Tu me dis si un jour t'as besoin de bouffe ou de n'importe quoi, hein. Oh. Ils sont nombreux, en plus. Bon. Pourquoi pas? Ah, t'es là, toi. Ah. C'est impossible à utiliser, en fait. C'est littéralement impossible à utiliser. Les ennemis étant en mouvement, c'est impossible à utiliser. Nope. Tu ne sais pas ouvrir les portes. Je suis désolé. Il y a des limites à ton intelligence, pas à la mienne. Voilà, c'est dit. Et non, je ne fais pas référence à une chanson de Calogero. Bien que. Alors, continuons à descendre dans les profondeurs abyssales. Hop. Ah bah non, il y avait un trou. Je suis vexé, j'ai pas trouvé une seule. Une seule truc secrète. Enfin, une seule. Un seul blueprint. C'est vexant. Attendez, il y a un coffre là. Hop. Non plus. Hop là. Salut. Et je sens que je vais pas aller par là. Tellement ça va être dur à casser dans le coin. Hop. On est déjà en bas de la planète? Ah merde. On y est déjà. Bon. Qu'est-ce que c'est? Une hache. D'accord. Si tu le dis, hein. Ah, y a peut-être quelque chose en dessous là, non? Sous les tombes? Non, même pas. Au-dessus des tombes, c'est pas logique, mais pourquoi pas. Oh! Néo Chakram! Bah, vous voyez, on l'a demandé, chers amis, on l'a eu. On l'a demandé, on l'a eu. Néo Chakram, donc on a le deuxième chakram, on en a un qui est en 6 circulaires. La question est de savoir si j'ai d'autres chakrams. Oui, j'en ai d'autres. Parfait. Je vais juste aller ranger mon bordel. Je venais de voir un bouclier quelque part. Bah, c'est pas grave. On va commencer comme ça. Ok, déjà là, tu me ranges tout ça. Voilà, le bouclier, le fameux bouclier, il range. Lui, je l'aime pas trop. Lui, encore moins. Parce que j'aime pas le violet. Enfin, j'aime bien le violet, mais pas plus que ça. Les diamants, ils vont là. Ça va là. Ce truc-là va là.
Et déjà, c'est pas mal. Alors, maintenant, on va aller voir ce qu'il faut pour le Néo Chakram. Allez, on descend. Ok. Néo Chakram, il nous faut des upgrade modules et des sticks of RAM. Ah, je crois pas que j'en ai des masses. Je suis pas tout à fait sûr d'en avoir un grand nombre, à vrai dire. Et je l'admets, ça m'embête. J'en ai 7. Ah, bon, va falloir aller les farmer, chers amis. Bon. Bah écoutez les amis, on va cesser là du coup pour cet épisode. Moi je vais aller me renseigner où est-ce que je peux aller les farmer. Et on ira les farmer dans le prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, notre affiliation d'un bar de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus, bienvenue dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo.